la méditation de Joyce Meyer, votre vitamine quotidienne. Cher ami, le verset biblique du jour se trouve dans Romains 5, verset 15. Mais il y a une différence entre la faute d'Adam et le don gratuit de Dieu. En effet, si la faute d'un seul a eu pour conséquence la mort de beaucoup, à bien plus forte raison, la grâce de Dieu accordée gratuitement par un seul homme, Jésus-Christ, a surabondé pour beaucoup. La grâce, c'est la puissance que Dieu vous donne pour vivre de la manière dont il vous appelle à le faire. En revanche, Dieu ne nous accorde pas sa grâce pour que nous désobéissions. S'il nous dit de ne pas faire une chose que nous décidons de faire malgré tout, nous expérimentons la perte douloureuse de son onction. La grâce va de pair avec l'habilité. Dieu nous donne sa grâce pour que nous puissions accomplir notre appel. Lorsque nous suivons nos propres plans, nous devons les accomplir tout seuls. Mais lorsque nous suivons sa direction, il pourvoit toujours à la grâce et à l'énergie dont nous avons besoin pour faire ce qu'il nous appelle à faire. J'aime le fait que si nous devons effectivement choisir de recevoir sa grâce, nous n'avons en revanche rien à faire pour la mériter. Lorsque vous décidez d'obéir à l'appel de Dieu, il est prêt à vous aider. Jésus est mort pour couvrir vos péchés afin que vous puissiez marcher justifié devant Dieu et avoir accès au Saint-Esprit qui peut vous aider à bien vivre votre quotidien. Je vous encourage vivement aujourd'hui à vous assurer que vous êtes bien en position de recevoir sa grâce et ses capacités. Si vous êtes tenté de suivre votre propre route, dites à Dieu que vous voulez le suivre et demandez-lui son aide. Il sera toujours fidèle pour vous accorder sa grâce. Prions ensemble. Saint-Esprit, je ne peux pas réussir ma vie sans ta grâce. Je veux suivre ton appel et je te demande de m'aider à vivre au quotidien comme toi tu le désires. Merci d'avoir écouté. Si vous souhaitez recevoir plus d'encouragement de la part de Joyce, abonnez-vous gratuitement à la newsletter mensuelle sur joycemeyer.fr/newsletter. Soyez bénis et à bientôt !